Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve pour un combat de Coliseum en Xel, Uji et Eni. On joue contre Sadie, Eka et Niripsa. Alors, je sais pas ce que c'est, ça c'est cristal ou diamant ou un truc comme ça comme classement. En tout cas, ça a l'air pas trop mal. J'ai affronté cette compo assez récemment, je crois. Là, j'ai essayé de vous faire quelques petits colis avant, mais il y en a dont le record il a un peu foiré, l'audio était dégueulasse. Il y a eu un petit souci, donc j'espère que sur celui-là tout ira bien. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu amélioré les problèmes qu'on avait sur les sorts, hein, sur les raccourcis. Là, ça fait quelques fois que ça va un petit peu mieux quand même. Alors, au niveau des esquives PA, en face, on a 98 sur les rôdeurs, c'est pas trop mal. En revanche, Eni et Sadie, voilà, sont autour de 40. Ça risque de leur poser problème tout de même, hein. On verra ça. Alors, là, il met tout le monde en infecté, hein. Les Sadie qui maintenant peuvent infecter toute une team dès le tour 1, c'est vraiment très puissant. On va voir, là je mets un petit peu de retrait, je vais me faire une double fuite et on va y aller sur un début assez classique avec du contre. Je vais aller ouais, ici, hop. Contre flou, ils ont quoi comme PM mes persos? Ouais, je vais venir là même, hop. Et on va faire un petit flétrissement sur l'arbre, hop. Voilà pour ce début de tour. Alors au niveau de l'initiative ça m'arrange pas trop puisque les Caflip jouent juste après mon Xelor, hein, pour le ramener ça sera pas terrible parce que c'est évidemment lui que j'aimerais focus. Cela dit, un focus Sadie peut être intéressant, hein. C'est vrai qu'un Sadie c'est quand même embêtant quand ça pose un jeu, moins ça joue mieux c'est pour tout le monde. Et il rush, il est fou lui. Il est complètement fou cet Eka. Bon bah du coup bah, c'est sur l'Eka que ça va partir. Bah, là je vais peut-être même aller les ronder dès le début. Hein. Bon du félin et il repart par là-bas. Ok, mais là je peux aller le chercher, je pense. Hein. Le chaton ne me tacle pas. Bah, écoutez, écoutez, c'est parti, hein, c'est bien. Pour une fois que je fais un peu autre chose que mon début de combat habituel. Du coup, je vais chercher l'érosion directement. Hop. Voilà, l'étape 3, l'érosion est placée. Alors ça change un peu mes plans sur le Xel, mais c'est pas forcément un problème. Le chaton n'a pas trop de tacle, c'est pas trop gênant. Et là, je vais pouvoir commencer directement à taper les cas. On va voir s'il lui débuffe l'érosion que je lui ai placée. Ouais, mode jouvence, ok. Donc ça joue bien en face. Hein. Sucette, je crois que je connais ce perso. J'ai déjà dû voir le pseudo quelque part, ça me dit quelque chose. Bon, je sais pas si c'est quelqu'un de récurrent dans le PvP. Bon, ça, en tout cas, bonjour à vous en face, hein, si vous regardez ce colis, bien sûr. Avec Lenny, bien sûr, là au niveau du début de combat, je vais pas avoir grand chose à faire de plus que de poser mon jeu. Je vais mettre le lapin ici, tiens, je vais essayer d'avancer un petit peu pour qu'il puisse être utile. Le galvanisant, toujours aussi puissant. Je vais peut-être mettre un petit boost PM sur le Xel, hein, ça pourra servir. Ou même taper directement les Caflip. Allez, on va venir mettre un petit mot alternatif sur les K. Ok, comme ça on n'est pas trop mal. Donc le lapin qui prend le boost PA, c'est ça qui est vraiment très intéressant avec le galvanisant, c'est qu'en plus de stimuler tous les alliés, ça stimule aussi toutes les invoques. Hein. Alors le Sadie là qui. Oh là là, qui me ravage complètement, il place le retrait PM sur tout le monde. Là j'ai l'état infecté qui est complètement généralisé, alors je vais voir dans quelle mesure je cherche à me le debuff par la suite. Là pour l'instant, ça tourne plutôt à son avantage, hein, on va pas se mentir. Alors ce que je vais faire, c'est qu'avec le Xel... Ah oh, putain, j'ai 0 PM sur le Xel. Sérieusement. Sérieusement, j'ai 0 PM. Bon, bah tant pis. Hop. On va y aller comme ça. On va faire un cadran que je vais placer ici. Ok, on n'est pas trop mal. Un paradoxe également. Ok, hop. Chercher peut-être le retrait en zone ici. Ouais, c'est pas trop mal de faire comme ça. Hop. Sur les nids en priorité. Non, quand même sur les cas avant tout. Hein. Les cas qui est les rôdeurs, il faut pas laisser placer les rôs. Je vais venir le coller comme ça. Hop. Voilà, donc comme ça, le Xel il repart un petit peu en arrière. C'est lui qui s'est fait le plus éclater pour l'instant. Moi, j'ai mis mon boost PA sur mes persos. La folle est toujours en pleine forme. Le chaton aussi. Je verrai si je trouve le moment de m'en occuper un peu plus tard. Là, l'Eka Flip du coup se retrouve à 9 PA, il a toujours pas placé d'érosion, lui il est érodé, mais là même sans 0, avec les dégâts multiples du Sadida, ça peut être très compliqué pour moi. On va voir comment on gère le truc. Alors les réflexes qui passent et il fuit. C'est là que je suis content d'avoir pu placer mon état, voilà, l'état proie dès le début. Parce que là je peux aller le chercher comme ça, je suis obligé de lui remettre l'héros, hop! Et je pense qu'on va y aller sur quelque chose d'assez classique, limier.
dépeçage et double carcasse, voilà, comme ça on est pas mal du tout. Je vais même rester à son cac hein, pour prendre l'émeraude. Le Sadida m'inquiète beaucoup avec les niches, je vais essayer de me débuff les états infectés très rapidement. Alors là j'ai déjà de la malédiction de vaudou que je peux me débuff, j'ai aussi le retrait PM, je vais débuff Eni Exel. Hein. Tant pis si je dois me débuff aussi les boosts que je me suis mis, les boosts PA, mais sinon, sinon là je m'en sortirai absolument jamais. Peut-être voir pour péter la folle, est-ce que je fais ça maintenant? Si je fais ça avec Lenny, ça veut dire que je recule quand même, que je me mets encore plus exposé au retrait PM. Mais d'un autre côté, si je la laisse placer son truc de manière trop large, je m'en sortirai jamais quoi. Bon, il isole mon Uji c'est le plus solide de mes persos, mais je peux quand même me faire éclater. J'ai pris l'érosion, je vais pas pouvoir le debuff ici, c'est un peu gênant. Tant pis. Tant pis. Tra, je peux avancer comme ça, mais même en faisant ça, je vais pas aller bien loin. Hein. Je vais plutôt choisir... Non, je vais avancer quand même. Hop, alors il va me falloir... Là, je peux déjà aller chercher... Voilà, ce que je voulais, hein, c'était vraiment chercher l'alternative là-haut. Je peux aussi maintenant me faire... Jouvent sur le Xel. Si je fais Jouvent sur moi, ouais, je perds un poil de trucs, mais c'est pas très grave. Régène ici, ok, comme ça on n'est pas trop mal. Et je peux faire également un Vivifiant sur le Xel. Voilà, bon, je pouvais faire un mode régène, je l'ai pas fait le mode régène, merde, j'ai confondu sacrificiel avec mode régène, ok, j'avais deux perks, j'aurais dû mettre sur un mode régène, misplay de ma part ici, bon, on fera 100, c'est un peu triste, le Xal, du coup, il a 11 PM ici, là, il va pouvoir faire quelque chose de sympa, probablement, je vais essayer de ramener mon Uji. Donc, Lenny n'était plus infecté, le Xal a encore été infecté, hein. Il me l'avait fait au poison paralysant qui dure 3 tours, donc celui-là, j'ai pas pu me l'enlever complètement. Là, il va falloir à tout prix que je ramène quelqu'un. Je vais essayer de mettre une synchro sur les cas, peut-être. Ouais, j'ai pas envie que les cas puissent taper sur le J. Donc, ça va partir en synchro dessus. Ok, j'ai tout pile les PM pour faire ça. Ça, c'est plutôt chouette. On va faire la synchro comme ça, la TP. Je vais mettre un peu de retrait comme ceci. Oh, je vais même... chercher du retrait en zone. Hop, voilà, bon, ça me fait lâcher une libé juste pour mettre 2 PA sur le Sadi, mais ça me paraît quand même important de le faire. Hop. Et là, ok, je peux aller ici et me faire une double fuite sur le Xel. Hop, voilà, je me rapproche un peu comme ça de du centre du combat. J'aurais aimé pouvoir me placer plus de retrait. On a un petit lag ici, j'ai l'impression. Est-ce que c'est grave? Ça vient de qui? Je ne sais pas. Mon Uji qui se retrouve à 1 PM. Alors, je vais voir, soit je repars sur l'Eka. Ah, ça vient. J'espère que c'est pas les cas. C'est... Ok, c'est Lenny. J'espère qu'il va pouvoir se... Ouais, je vais pas passer. Hop, on va essayer de lui laisser le temps de se reconnecter. Si les cas m'approchent, je vais peut-être pouvoir aller le chercher avec Luigi, mais là, j'ai quand même le nombre de PM qui m'embête. Hein. J'ai choisi de jouer sans esquive PM, j'aurais peut-être pas dû. En coup de la fortune, est-ce qu'il me... Allez, on a vu que j'étais déjà érodé. Hein. Tromperie, alors il est peut-être OR, peut-être multi, c'est difficile à dire. J'ai l'impression que c'est un mode OR en face, hein, sur les K-Flip. D'accord. Je vais peut-être repartir sur, j'allais dire, sur Lenny. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Je suis pas sûr. Je peux... Ah, je vais être embêté, là. Être un peu embêté, ce que je vais devoir faire, parce que là ma convergence, hein, je peux la mettre, ouais, je vais faire une cavotte ici, convergence sur la cavotte, arcanin et placer un coup d'héros sur Lenny, et je reste ici pour prendre l'état, enfin l'émeraude. Mais c'est quand même un peu compliqué là pour moi. J'aurais peut-être mieux fait de ne pas éroder Lenny et de traverser la cavotte avec un numérus, hein, ce qui m'aurait permis de rentrer dans la zone de Lenny pour me faire des buffs l'héros, me prendre un peu de soin, ça aurait été peut-être mieux joué. C'est difficile à dire. D'un autre côté, là, Lenny, il est taclé, donc je lui casse un peu son tour. L'Eka, il est plus héros. Ouais, ça, c'est un peu embêtant. L'Eka n'est plus érodé. Alors, avec Lenny, je peux... Oh, il me lâche un mot de silence qui passe bien. Ouais, moins 4, putain, moins 4 sur Uji et sur Xel. Ah, ça, c'est très embêtant pour moi. Le Xel, est-ce que j'ai encore un truc à lui désinfecter, là? A priori, c'est bon, hein. A priori, là, il a plus qu'un tour sur ses poisons. Donc, ça ira. Je vais venir chercher... est-ce que je peux être la folle avec un coup de corrompu? Je peux essayer, mais non. Je vais plutôt partir là-dessus. Du sélectif sur Lenny.
et un coup d'arc, voilà. Oh, regardez-moi ce 1082 qui passe sur les 14% de reste feu, moins un réécrit de l'Eniripsa, sous l'érosion. Ça, c'est quand même pas mal du tout. Ah, d'accord, je viens de voir le 300 intel de l'Ecaflit qui joue en Dofusteuse, hein, c'est assez original. Donc il a peut-être un mode multi, puis il tape à chaque fois en fonction du boost de la Dofusteuse. Ce qui est tout à fait possible, hein, ça peut être pas mal comme mode. C'est assez original, on n'en voit plus trop des trucs comme ça, mais ça peut être très efficace. Alors là, à nouveau, le Sadi qui éclate un peu tous mes trucs. Rah, il va quand même pas péter le cadran, j'espère. Non, c'est bon, le cadran survit. Faut que je fasse gaffe. Hein. Bon, Lenny a l'air d'être ok sur au niveau de la connexion. Oh, le cadran, ça c'est en plus avec le retrait. Les cumuls de la malédiction vaudou avec le retrait, c'est assez dévastateur quand même. Hein. Mais là, je peux presque essayer d'aller péter Lenny assez vite. Je vais tenter ça, je pense. On va y aller très agressif. Et même ramener le cadran comme ça. Hop. Petite frappe de Xal ici. Ok. Sablier. Et une fuite sur le Xal. Lenny a pris quand même pas mal cher. Il prend en plus le coup du cadran derrière. Il place du retrait en zone et un poil de dégâts. Là, j'ai peut-être une chance de passer un kill avec mon Ouji. L'Ouji qui se retrouve quand même encore un peu dans la merde, hein, on va pas se mentir. Bon, je suis plus érodé, j'imagine qu'il va me la remettre, l'héros. Réflexe, ouais. Alors, il pète la Kawad, ça m'arrange presque. Ça va me permettre de repartir sur Lenny. C'est vraiment le tour de Lenny avec le corrompu qui crit là. Enfin, vraiment, sur les 14% reste feu, je lui ai fait très très mal. Est-ce que ce sera suffisant? Par contre, là, je suis pas sûr. Hein. Je prends quand même bien bien cher. Et j'ai pas des tonnes de PA. Est-ce qu'affection je peux le faire sur cadran? Alors ça c'est génial ça. Affection, échange de place avec une cible alliée, réduit la rage. Allez, on va partir là-dessus. Hop. Et là, Lenny, est-ce qu'il est héros? Il est toujours héros, donc on va y aller sur dépeçage, carcasse. Et je vais me barrer, je pense, ici. Essayer de m'éloigner un peu du Sadi, faire en sorte que Lenny puisse aller le soigner derrière. Alors techniquement, il pourrait essayer de venir me tacler, mais je me sens pas trop en danger par rapport à ça. On va voir ce qu'il nous fait. Reconstitution, d'accord. Donc là, on part sur un mode insoignable, donc je vais rush les dégâts sur Lenny, hein, tout simplement. Et en plus, il s'est laissé l'érosion, hein, donc là, je vais pouvoir vraiment cogner dessus, c'est très bien. Il s'est prêve, hein, encore une fois, je vais taper sur l'héros, donc la prêve, ça me pose pas trop de soucis. Alors effectivement, là, il vient se placer comme je l'aurais pensé. Ah, j'aurais aimé que le lapin se décale. Le lapin ne s'est pas décalé, c'est triste pour moi. Je vais tenter un chaff, si je peux avoir un petit crit, ça peut être sympa. Ok, enfin, un crit, voilà, les crit chaff, hein, c'est une vue de l'esprit, bien sûr, c'est un peu des vestiges de ce qu'était le jeu avant. Je vais simplement mettre un petit coup de soin sur mon Ouji, je pense. Hop, j'aurais pu y aller plutôt en debuff. J'ai été con en fait de me placer comme j'ai fait. Là, le tacle était vraiment. Ouais, j'aurais pas dû mettre l'Ouji ici. La manière dont il m'a taclé, ça m'a mis au fond. Bon, nickel le chaf qui m'enlève l'ivoire. Super, c'est tout ce qu'on aime dans le jeu. Bon, c'est un peu chaud pour moi quand même là. Il fait un ménage à chaque fois en plus avec ses états infectés en zone. Le truc là, c'est. Les Sadi maintenant, ils ont tellement de sorts qui propagent l'état infecté. C'est sur plusieurs tours, ça devient impossible de se debuff au fur et à mesure qu'ils nous le mettent. On est un peu obligé de se le prendre, quoi, donc j'aurais peut-être dû vraiment forcer un focus Sadi, en fait, ça aurait probablement été mieux. Là, ce qu'il faut que je fasse aussi, bien sûr, c'est que je lui mette du retrait, hein, mais je fais au mieux. On va voir où est-ce qu'il se place. C'est Leka qui joue ensuite. Là, Leka, il va m'éclater, malheureusement. Je vais devoir... je vais ici, d'accord, ça me surprend un poil. On va mettre un rollback comme ça. Hop, je vais caler un cadran par ici également. Et là, il faut que je mette du retrait sur les cas, hein, à fond. Alors, même avec ça, je suis bien embêté. J'en mets un sur Lenny. J'essaie d'aller là dans l'espoir de le bloquer un poil, mais malheureusement, je pense qu'il termine l'Ouji sans aucun souci. Il a 8 PA. Mon Ouji qui n'a du coup plus le... Il n'a plus son ivoire. Alors il vient chercher, je pense, le réflexe ici. Ah, oh, c'est triste. Hein. Ouais. Ah, le craps, d'accord.
J'ai très très mal géré mon truc. Hein. Là, c'est vraiment le Sadi qui a fait tout le combat. Hein. Le Sadi qui m'a chié dessus complètement avec ses dégâts en zone sur l'état infecté. Et puis j'ai un peu dispersé mon focus. Hein. J'ai quand même. Là, on a un Neka qui est érodé à 2000 PV et quelques. Lenny qui a 2000 PV. Mais bah, comme j'ai rien placé, forcément, ça ne va pas. Je vais essayer quand même avec Lenny de remettre un petit coup dessus. Enfin, je passerai rien du tout, malheureusement. Le petit tour où il m'a taclé, là m'a mis aussi dans la merde, hein, pas mal. En plus, alors, il me place du retrait PA qui se cumule avec l'effet déclenchable du Sadi. Hop. Ah bah, de toute façon, je le repousse pour un corrompu, mais ouais, si je peux mettre juste la miche corrompue, quoi, ça devrait faire des dégâts sympas, mais ouah, même ça m'amène pas bien loin, malheureusement. En plus, là il est plus héros du coup. Bon, bah j'ai été con. Vraiment, dans cette méta, les Sadi, il faut focus Sadi à hein, 100%. J'aurais dû le focus soit au niveau du rock, soit au niveau du retrait PA, mais là j'ai mal géré le combat dans la mesure où je l'ai laissé dominer ce qu'il a voulu. Le Sadi, il était en free farm, là, hein, vraiment. Il se baladait à l'écart et il m'a découpé tranquillement tous mes persos en même temps, en pétant mes invoques, en pétant le jeu que j'essayais de poser. Et à côté de ça, moi j'ai pas réussi à clean les invoques qu'il m'a mises, donc bah, GG à eux. Hein. Hop. Bon, là, on va pas faire durer. On va tout simplement remettre le cadran à distance. Hop, on va rapprocher les cas pour qu'ils puissent faire un peu ce qu'ils veulent. Voilà, comme ça, ils prennent pas de retrait. On va dire un petit GG. Donc, ouais, plutôt moyenne hein, la manière là dont j'ai géré mon combat. Je pense que je vais peut-être vous arrêter le record ici. Hein. Maintenant, je vais suicider, donc il n'y a plus grand-chose à voir. Vraiment, les Sadis dans cette méta sont très très dangereux. Hein. Maintenant, les Sadis sont passés progressivement au fur et à mesure des dernières mises à jour d'un rôle d'entraveur un peu fragile avec pas trop de rocks, mais potentiellement une belle beau contrôle de jeu, à toujours un bon contrôle de jeu et du retrait, mais des dégâts qui sont vraiment difficilement gérables. Et on voit que la malédiction vaudou qui a été nerf entre guillemets en termes de nombre de déclenchements par tour. A vu ses dégâts aussi augmenter, donc là ça m'a vraiment fait très très mal quoi. Voilà, donc bah, belle compo, belle synergie. Sadida, c'est une classe que voilà, j'aimerais bien jouer, mais j'ai pas forcément les stuffs pour m'en faire un de manière correcte, et là j'ai beaucoup de projets d'achat déjà pour mes persos en cours, donc je vais pas partir sur des nouveaux persos trop vite, mais assez vite j'aimerais vous proposer du Sadida un petit peu. Hop. Voilà, donc ça arrivera quand je pourrai quoi, mais c'est pas pour tout de suite. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Ah bah tiens, on peut regarder la fin du combat, peut-être voir si j'ai une ligue qui va m'être attribuée, comme c'est fini de toute façon. Sauf s'il déco, qu'est-ce qu'il fait ? De toute façon, là, faut taper, hein, c'est fini. Hein. Pas besoin de refaire des stratégies incroyables. Hop ! Allez, allez, on termine le petit Xel, 21 points de vie, 5 PA, ça devrait passer. Je l'ai dit ça à Scar. Le pilier aux chiottes. Ah oui. Ok, bon, ça doit être des blagues entre eux ou je ne sais quoi. Et, ah oui, on a une belle cote en face. Hein. On a déjà des joueurs qui ont atteint la récompense maximum d'XP qui est de théoriquement de 10 millions. 10 millions 5 quand vous avez les 5% d'XP bonus avec le shield ou l'authenticator, que je vous recommande vivement d'installer d'ailleurs, hein, ceux qui jouent sans protection sur leur compte, hein, vous êtes un peu des suicidaires, hein. Mettez l'authenticator, hein, tout le monde, le shield c'est pas fiable, l'authenticator c'est la base, vraiment ça c'est mon petit conseil, et les 5% drop XP font quand même plaisir. D'ailleurs avec mon Uji, vous avez peut-être vu sur mes colis que avant le reset des codes, je prenais toujours 21 millions, parce que c'était c'est 10 millions 5 multiplié par 2, parce que j'ai un Kra Farm sur le même compte qui a des niveaux Omega, donc qui est plus haut level, donc qui double l'XP. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt.